initiating a mission now. Eh ben dis donc, ça fait un bail qu'on n'a pas revu cet écran de titre. N'est-ce pas ? Ouais. Le pouvoir de ce chaos control. Wait. Ouais. Ta mère. Bref, sur ce, bonjour à tous, c'est Monsieur Madness 02. Et puis Miguel Chances qui se motive parce qu'évidemment on est ici pour le défi extrême numéro 86. Et comme vous l'avez vu, bah, ça sera sur Sonic Adventure 2 Battle, un jeu évidemment inutile de présenter, sorti en 2002, développé par Sonic Team, édité par Sega, et c'est un jeu de Sonic. Et c'est à peu près la 6ème fois qu'on le fait. Et donc pour ce défi extrême, cette fois-ci il va falloir s'attaquer avec Eggman. Ouais, parce que l'objectif qu'on va devoir faire, eh ben, on va devoir faire la première mission et faire de Iron Gate et obtenir plus de points de son adversaire, ok? Attention! Allez, on est parti! Connard, tu m'as pas attendu. Bon, on est à peu près presque synchro hein, pour bien démarrer. Bon, si vous entendez. Let's get finish this! Oui. Bon, par contre, si vous entendez, si le son est un petit peu bas, c'est normal parce que bon, hein, vu que. Le truc, c'est que bah, Miguel Chances a des fois un petit peu des soucis auditifs. Non, c'est juste que je joue pas dans sa gueule. T'aimes pas quand je joue gueule là. La marque un petit peu moi, c'est à peu près la même chose. Allez, yo, yo et Gwen. Ouais, parce que évidemment, là, en ce moment là, ça fait quand même déjà le 6ème défi extrême qu'on fait sur ce jeu. Bon là moi j'y vais comme ça comme un gros kamikaze, moi je saute dans le vide parce qu'il faut bien. Et pendant ce temps moi je gratte des points. Ou des awesome. Et toi pendant ce temps toi tu perds du temps. Oui d'accord. En même temps sache que c'est le premier niveau donc il est pas très compliqué à faire. Oh bah tu te suicides. Non mais je suis désolé mais attends, voilà, tu vas perturber à faire de la merde toi aussi là. Ouais j'ai envie de dire que c'est un epic fail. Ça c'est ta faute, voilà, j'étais perturbé par ton écran. Eh voilà. Parce que j'avais oublié de préciser, on n'a pas le droit de recommencer le niveau. Ouais. Ah, à cause de qui, à cause de quoi, on dira à personne hein. Pourtant j'ai rien fait, c'est toi qui t'es jeté dans le vide comme une merde. Ton écran m'a perturbé. Bah évite de le regarder mon écran. Voilà. Et je demande mon nez. Jean-Michel Cadrage, aïe, je vais manger un rôle dans la gueule. Voilà, moi je passe moi en mode gros bourrin, moi j'en ai rien. Bah, passe en mode bourrin, ça, moi je prends le temps de. Bah, surtout déjà que t'as perdu quand même des points parce que vu que t'étais mort comme un boulet. Ah oui, hein, à cause de qui? Bah. Ton écran me perturbe, c'est pas ma faute. Foiré. Moi j'y peux rien. C'est pas moi qui joue, moi je joue de mon côté. Juste le power-up, ça merde. Oui, par ici c'est le power-up, je crois que c'est le power-up du canon laser. Je sais pas, mais si j'ai pas de conneries. Non mais t'es la pote. Ou du bazooka. Allez hop, on va lancer la lance-roquette. Et on y va en mode YOLO. Et j'ai terminé le niveau. Termine le niveau, moi je récupère des vies. On récupère les visions de combat. Allez hop, et on va voir un petit peu le score que j'ai obtenu. Donc j'ai obtenu un score de 22 000 10 points. 22 000. Donc si c'est un petit peu flou, ne vous inquiétez pas, de toute façon j'arrive à relire quand même. Donc. Parce que vu qu'évidemment, je capture évidemment directement via mon appareil à l'écran. Allez. T'as dit combien déjà ? 22 000 10 points. 22 000 10. Ouais. Bah, t'es déjà un petit peu mal là. Ok. Moi, pendant ce temps, pour meubler, je vais aller un petit peu au Chao World. Le temps que tu finisses. Oui, bah dis que je suis lent, c'est connard. Tu vas prendre le temps de redécouvrir le niveau, ok. Level 5. Attention, niveau 5, attention. Dégage, toi, là, porte de merde, là. Eh, la porte se ferme, hein. Non, mais viens pour me casser les couilles, toi aussi. Allez, dégage, allez. Allez, on fait tout pote, Voilà, juste comme ça, ici c'est mon chao. Même la porte, voilà, moi je fais qui ressemble un petit peu à Night. Attends. Et là, en ce moment, là, on a Mega Edition 16, là, qui a des plumes. D'accord, il a des je suis obligé d'aller faire ça pour un petit. Mais c'est une grosse blague, ça, dis donc. Le chao de Mega Edition 16, c'est un oiseau, ouais. Non, bah, il aime bien voler. Oui, c'est un biaf.
Allez, vas-y. Galigo Fast. S'il vaut bien Eggman. Tu veux bien Fast déjà, ça sera déjà pas mal. Voilà, t'as fini. Goldring, bon, je pense pas avoir 22 000 machin points, mais. Ce sera déjà un miracle. Au revoir. T'as 18 620. Et t'es grombé. Je suis assez comme fier de moi, j'étais pas loin. Enfin, si j'avais pas fait mon fail, je pense qu'il y avait moyen. Ouais, si t'avais pas fait ton big fail en te suicidant comme une merde, dis. Moi, je trouve que la vidéo est assez courte, donc je vais faire un combat de chevaux. Allez, Sonic. Enfin, moi, je suis déjà en train d'en faire un. Juste comme ça. Parce que oui, on va un petit peu meubler, parce que bon, c'est vrai que là, ça fait même pas 5 minutes que fait cette vidéo. Hein, donc, là, en ce moment, moi, je fais le mode karaté en mode super avec mon Chao. Donc là, on a Chao Sonic qui est bien bleu, hein, putain, plus bleu que sa tumeur. Et qui est en train de poncer. Et moi, je me casse. Bah, tu te casses parce que t'es en vie. Multiclonage. Super. Non, juste multiclonage. Bonsoir, toi. Ouais, ça, c'est ton Chao qui est tout blanc. Hein. Et qui a des ailes. Ouais. Vole ma couille. Oui, il est parti à l'eau. Il est parti nager. Tu le jettes à l'eau, ton Chao, toi, bah purée. Aucun respect. Tu prends pas trop soin de ton Chao. T'inquiète, il a l'habitude. Il a l'habitude que tu fasses n'importe quoi avec lui. Allez, let's time. Je vais faire une course. Parce que moi, vu que je fais du karaté. Je vais vous laisser admirer, alors faut aller dans le challenge, je crois. Oui, tu vas faire le challenge. Bah, faut prendre mon Chao, parce que mon Chao, je sais pas pourquoi. Et tu vas faire le dernier. Voilà, on va affronter l'ultime adversaire. Vas-y, t'as pas peur. Mes couilles. L'ultime adversaire. Et moi, pour l'instant, moi, je fous une déroutée à tous les autres. En même temps, mon Chao, lui, il est plus doué pour le karaté, et celui de Megaesh, c'est la course. Allez, mon domaine, logique. C'est pas drôle, sinon. Allez, go de vos faces. Alors, je vais pas essayer de stamina, parce que bon... Sous la flemme. C'est pas drôle. Moi, je leur fous une grosse portale dans la gueule. Mon Chao est intelligent, normalement. Oui. Et l'autre, il est un con. C'est son problème. Bah oui. Regardez-moi ça. Je vole. Tu cours. Oh, j'adore. Moi, je l'affronte le dernier, qui est tout noir. Racisme. Non. Le racisme. T'as quelque chose. C'est pas parce que je suis black, hein, c'est ça. Sans doute. Et moi j'ai pas de racisme. Vous pouvez voir que mon Chao est un putain de crevard et bouffant de deux. Voilà, pas le temps de niaiser. Bah, c'est normal. Là. Je suis pressé qu'il a des pattes de poule, mais ça se passe c'est un détail. C'est normal parce que il aime les poulets. Il faut des ailes et... Il a mangé beaucoup de poulet basket, c'est pour ça. Trop de poulet KFC. Ça l'a aidé, c'était fait. Vive le KFC. On m'a toujours dit, mais KFC bon pour les Chao. Bon, bah d'accord, bah. Ouais. Vous souvenez, les passes à travers le mur, c'est magique. C'est bon, ok. Bon, pour l'instant, moi, je vais m'amuser aussi un petit peu à faire du... La petite... Le fruit carré. Le fruit carré. Comme j'ai bien montré, je n'utilise pas le stamina. Ah non, il y a pas besoin. Drôle. Parce que ton Chao, lui, il a peur de rien. Chao, il s'en bat les steaks. Et pendant ce temps, l'autre, il est très en retard. Hein. Sinon, t'es pas trop en train de faire comme moi, ça va? J'ai bien envie, hein. Faut bien meubler, hein, pendant tout ce temps. Voilà. Et pendant ce temps, toi, tu cours au ralenti. En même temps, c'est une descente. Ouais. Si je cours trop vite, je me casse la gueule. Ouais. C'est... Bon, alors on va voir si ton Chao de mon trou. Ouais, il est intelligent. Et l'autre aussi, il est con. L'autre, la même chose que toi. Ton Chao, au moins, il est très intelligent. Hein. En même temps, c'est un petit peu moi qui l'ai élevé. Oh là là, tout de suite, ça jette des fleurs. Non, mais je te jure. Ah, oh, ça jette des fleurs. Pourquoi? Oh le. Alors me demandez pas non plus pourquoi il a des cornes. Des espèces de cornes, ça par contre c'est pas voulu. Bah il voulait essayer de se faire une petite coupe à la Broly, mais Oh qu'est-ce que tu fous toi?
Bro, il prend la couleur de Broly et puis ça marche. Voilà. Bon, bah, je pense que là on va achever la vidéo, hein. 10 minutes. Bah, on a connu pire, hein. Ouais. Bon, en tout cas j'espère que pour vous, bah, que ce défi extrême bah, vous a plu. Bon, wow. Certes c'était court, mais bon en même temps un Sonic Adventure de Battle c'est pas forcément très très long, hein. À moins que si on fait un autre truc, mais bon, ça, on verra ça plus tard. Oui. Et donc, si ça vous a plu, bah, comme d'habitude, n'hésitez pas à le faire savoir, à le faire partager aux autres comme toujours. Votez dans les commentaires pour faire un combat 1v1. Ouais, bref. Et puis aussi, si vous avez des défis extrêmes à proposer, n'hésitez pas. Vous pouvez laisser un commentaire dans cette vidéo. Ou bien réagissez sur Twitter avec le hashtag... défi extrême. Et puis enfin, bon niveau à ma chaîne, il y a celle de Mega Edition 16. Voilà. Donc comme on peut le voir, je suis dans le chat normal. Lui, il est dans le Hero Garden. Mais... alors, je suis désolé, mais vu sa gueule, je pense pas que les héros l'acceptent, honnêtement. Ouais, c'est parce que je suis rouge, hein, et que je suis violet. Surtout parce que tu n'as pas la tête de quelqu'un de gentil. Et donc... regardez, j'ai tellement envie d'humilier des gens, c'est drôle. Oh. C'est parce que c'est... ouais. C'était avec... attends, finis au moins ta course. C'est pas drôle. Non. Si, faut que tu finis ta course. Regardez-moi ça. Bon, toi t'es nul, toi, en même temps t'affrontes des petits bébés. Justement, j'aime bien ridiculiser les jeunes. Oh. Tiens, ta gueule. Alors que moi j'affronte des mecs qui sont tout aussi coriaces, hein. Ouais, mais genre, t'aurais pu le faire en super, hein. J'ai envie de me taper des jeunes. Bon. Ouais. J'ai envie de montrer... la génération de demain, c'est le patron. Bon, ce qui est bien, c'est qu'il est éduqué comme moi. On est mal barré. On est mal barré. Ce qui est bien, c'est qu'il est éduqué comme moi. Toujours taper avec les pieds. Bon, mais aussi. Bon, allez. C'est avec ces images-là que je vous dis à tous à bientôt pour de prochaines vidéos. Oh, mais t'es allez. Pas drôle, ils verront pas à la fin. Salut à tous. Ciao, bye, bye. Eh bien, mon cher Mega Edition 16, tu as du mal à reprendre le jaune. J'espère que la prochaine fois, tu ne le perdras pas.